CIA could manipulate the news in the United States by channeling it through some foreign country. Now, we're looking at that very carefully. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to a major circulation American journal? We do have people who submit pieces to other two American journals. Do you have any people paid by the CIA who are working for television networks? This, I think, gets into the kind of getting into the details, Mr. Chairman, that I'd like to get into in executive session. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 1er juin 2022, 10h51, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va très très mal. Et c'est bizarre qu'on se pose la question, par exemple, au niveau des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Quand pendant 2 ans, on a tout fermé, Shanghai vient juste de réouvrir aujourd'hui, après des mois et des mois de confinement. Un autre confinement qui était très long pour Shanghai, la plus grande ville portuaire. Tout était fermé partout pendant 2 ans, ouvert, fermé. Et là, tu as les grands spécialistes de la télé qui se demandent pourquoi on est dans un problème de chaîne d'approvisionnement. C'est assez spectaculaire comme stupidité et naïveté, hein? Mais c'est comme ça. Et c'est pas fini. Maintenant, je vous fais passer cet extrait-là parce que, imaginez-vous, on remonte à 1975, lors et on est aux États-Unis, hein, à la Chambre, au comité d'audience du renseignement de la Chambre de 1975, parce que c'est comme ça aux États-Unis, hein, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de comités d'enquête sur toutes sortes de choses. Et là, on se demandait si la CIA, et on demandait aux gens de la CIA, s'ils avaient des gens payés par la CIA qui travaillaient pour des médias ou qui remettaient l'information aux médias, on a vu le représentant dire que oui, on remet des informations aux médias et que pour ce qui est des agents de la CIA qui travaillent pour les médias, il dit « ouais, mais là, ça c'est de rentrer dans des détails un petit peu trop, on ne voudrait pas vous répondre là-dessus, pas en public, on pourrait le faire en privé. » Donc, on le sait, la CIA... entre autres, remplit les médias, mais c'est partout pareil, de propagande. Chaque pays a son agence de propagande et on y va à gogo. Et c'est dans cet environnement médiatique qu'on vit. On est tous dans des régimes. De penser que la démocratie, c'est un concept, humaniste, c'est complètement naïf. On a conçu la démocratie justement pour éliminer toute possibilité de liberté et d'émancipation de l'individu. La démocratie a éliminé le concept de l'individu pour amener le concept de la société. Et c'est complètement abstrait et inutile. Pendant ce temps-là, pendant qu'on est... C'est très important de comprendre qu'on est entouré de propagande. Et on va aller dans la propagande actuelle, mais qui se transforme des fois en réalité. Tu sais, quand je vous disais, moi je vous avais parlé, préparez-vous, depuis novembre dernier, je vous disais, préparez-vous, ça s'en vient en Europe. Ce qui est en train de se passer, je l'avais prédit. Tout le monde me disait que je me trompais, mais si tu vas voir les bonnes sources, bien, ces gens-là sont renseignés parce que ça vient des grandes agences qui décident de tout. Maintenant, les autres grandes histoires qu'il faut surveiller. D'abord, il y en a une qui nous dit que des documents font la lumière sur les plans secrets des États-Unis pour des scénarios apocalyptiques. Ça a été publié il y a quelques jours. Des documents récemment divulgués ont mis en lumière les plans secrets de la branche exécutive pour des scénarios apocalyptiques, comme les conséquences d'une attaque nucléaire lorsque le président peut activer des pouvoirs en temps de guerre pour les urgences de sécurité nationale. Ça nous amène à ce que le US Sun nous publie ce matin, et c'est la nouvelle suivante. La Russie menace d'anéantir l'ensemble des États-Unis avec seulement 4 missiles Satan II dans un avertissement effrayant.
Un moment effrayant à la télévision d'État russe lundi a vu les animateurs émettre la dernière d'une longue série de menaces, avertissant cette fois que la Russie pourrait détruire toute la côte est des États-Unis avec seulement 2 missiles. Wow! Je vous laisserai l'article, vous irez lire ça. L'Iran, maintenant, le Jérusalem Post publie ce matin que l'Iran pourrait avoir 4 bombes nucléaires brutes dans moins de 3 mois. Avec cette quantité, un niveau d'enrichissement de 60% suffit pour créer un explosif nucléaire relativement compact. L'Iran pourrait disposer de 4 bombes nucléaires d'ici 3 mois s'il décide de franchir le seuil nucléaire, a annoncé mercredi l'Institut pour la science et la sécurité nationale d'Israël. Donc, je reviens à ce petit document qui a été publié par MSNBC, il y a quelques jours. Des documents récemment divulgués ont mis en lumière les plans secrets de la branche exécutive pour des scénarios apocalyptiques, comme les conséquences d'une attaque nucléaire lorsque le président peut activer des pouvoirs en temps de guerre pour les urgences de sécurité nationale. Maintenant, Nasdaq nous publie la nouvelle suivante ce matin. Ça vient de Reuters. La Chine dit avoir mené une patrouille de préparation autour de Taïwan. Wow! Imaginez-vous. Ça nous vient de Beijing, c'est rapporté par Reuters. L'armée chinoise a déclaré mercredi qu'elle avait mené une patrouille de préparation au combat dans les mers et l'espace aérien autour de Taïwan ces derniers jours, affirmant qu'il s'agissait d'une action nécessaire pour répondre à la collusion entre Washington et Taipei. La Chine, qui revendique Taïwan, gouvernée démocratiquement, comme son propre territoire, a intensifié ses manœuvres militaires autour de l'île au cours des 2 dernières années environ, alors qu'elle cherche à faire pression sur Taipei pour qu'elle accepte ses revendications de souveraineté. Et la Chine est particulièrement mécontente du soutien américain à Taïwan. Le président américain Joe Biden a provoqué la colère de la Chine la semaine dernière en semblant signaler un changement dans une politique américaine d'ambiguïté stratégique à l'égard de Taïwan en affirmant que les États-Unis s'impliqueraient militairement si la Chine attaquait l'île. Les responsables américains ont déclaré qu'il n'y avait eu aucun changement dans la politique. Wow! Et on termine avec un autre article du Daily Star, cette fois-là, qui nous dit que la télé russe, hein, naturellement, déclare que la Troisième Guerre mondiale a commencé dans une terrifiante menace télévisée du Kremlin. On veut, les forces russes ont comme objectif de démilitariser l'OTAN, avec un présentateur de nouvelles disant qu'une vraie guerre avait maintenant commencé. Un article de propagande télévisée du Kremlin a affirmé que la Troisième Guerre mondiale avait commencé et que la tâche horrible de la Russie était maintenant de démilitariser rien de moins que l'OTAN, donc tous les pays appartenant à l'OTAN. Donc le New York Times qui nous disait que des documents font la lumière sur les plans secrets des États-Unis pour des scénarios apocalyptiques. Je ne sais pas, mais je me préparerai pour le pire.